Que no mujer. Que no, change. A ver quién manda a la visita de las mujeres. Sí, pero es que más tarde. Ya, ya. Quiero de los hombres. 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 Eh bien, hombres, c'est deux minutes. No. Femme, voilà, ahora. Femme. 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 Más tarde. Hombre. Ya. Oye, Ceux qui sont le parloir avec des femmes, ils peuvent passer. Egunon, alors on est ici à la prison de Fresnes. On est ici en solidarité avec la lutte des prisonnières qui se battent pour de meilleures conditions de détention, les prisonnières qui se trouvent à la maison d'arrêt des femmes. Donc elles se mobilisent fortement et pour ça elles ont été réprimées par l'administration pénitentiaire et l'administration pénitentiaire a considéré que l'instigatrice de ce mouvement de lutte était Itziar Moreno et ils l'ont placée à l'isolement pour une durée indéfinie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce que l'isolement va s'arrêter. L'action a commencé le 2 mai dernier. Il y a eu une action de blocage, en fait les prisonnières ont bloqué le patio une dizaine de minutes, refusant de regagner leurs cellules et elles étaient aussi une quarantaine à signer et à envoyer une lettre à la direction faisant part de leur sollicitation. Bai, hori sartu diago sekreban, Itziar Moreno hitz lamenduan zigortu zuten eta gaine inungo arrazoi hori gabe. Toutes les mobilisations sont initiées par les prisonniers, par les autres prisonniers, pour les, nous on dit les prisonniers sociaux. Et en fait, c'est eux qui ont commencé à dénoncer la manquance d'hygiène, il y avait des femmes enceintes et tout, et ils ont commencé à dénoncer les situations de la prison. Après, il y a les bases qui se sont rajoutées à les mobilisations, mais la prison a tout de suite ciblé Itziar Moreno. Donc en solidarité, deux autres prisonnières politiques basques sont volontairement rentrées au mitard. En solidarité avec Itziar Moreno. Et dans la maison d'arrêt des hommes, une grève de la faim est en cours. Berak dino ea ezagutzen ditugun pizkat zeintzu ziren mobilizazioaren erreibindikazioak. Higiene falta, gero txakurraren tratua ematen zigutena. L'hygiène, le mauvais traitement de les flics envers les prisonniers et aussi les troisièmes, c'est le fait de voir se dénouer chaque fois qu'il y a des parloirs et de voir ça non te fait de touchement profond pour voir si tu as quelque chose dans le corps et tout ça, alors qu'en plus il y a des femmes enceintes que c'est encore plus dégueulasse. Cette histoire des Basques, pourquoi on ne les regroupe pas à Dax ou à Bayonne ou à Andaï ou partout, vous comprenez? Et non qu'on fait venir les familles 2000 km à les retours, pourquoi? Enrique López et Javier Goyenechea. Javier Goyenechea. Nous savons que l'avocat de Itziar a été avec le fiscal et que la van a mover de cárcel. Jusqu'à le trasladé, elle va être en isolement. Et donc, elles, collectivement, tous les trois, ont décidé qu'elles vont faire grève de femmes jusqu'à Itziar et soit avec un autre prisonnier basque. Et ça, ouais.